On va parler de Wissam. On va parler de Wissam. On va reparler de Wissam. Souvenez-vous, on avait parlé de Wissam récemment. J'ai fait une vidéo sur Wissam. 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 Ou Wissam, pour les intimes. C'est pareil avec Wissam, tu vois. T'avais fait pareil, t'enlevais vite les arguments et tout. Ça, je trouve que c'est pas très coubertin. Et pas que j'ai gardé, c'est pas que j'ai enlevé les arguments. J'ai gardé les arguments qui me permettent de répondre, en fait. Ouais, donc les insultes, quoi. Non, pas les que les insultes. Arrête, t'es un peu mauvais joueur. Ah bon? Non, y a pas que des insultes. Mais on n'est pas obligé de parler de Wissam, on peut parler d'autre chose. Ah bah, ce serait bien qu'on parle de Wissam quand même. Wissam Zelka. Wissam Zelka. Wissam Zelka dit ceci. Wissam répond. Et Wissam qui dit. Wissam rajoute. Wissam dit. Et Wissam rajoute. Et Wissam répond. Donc même quand il a dit les Serbes c'est des sous-blancs et qu'en fait c'était pas vrai, là aussi, là c'était journalistique. Bah dans le contexte, il l'a dit aussi. Non, il l'a pas dit. Tu veux pas qu'on boucle sur autre chose? Wissam dans sa vidéo. Les tweets de Wissam. D'abord, Wissam se pose Wissam, une question. Wissam revient. Wissam, mon cher. Mais c'est qui Wissam? C'est qui Wissam? C'est qui Wissam? Wissam a sorti un tweet. Et dedans, forcément, il y a Wissam. Wissam. Quand tu me parles de politique, je suis une poule devant une brosse à dents. Je n'ai aucune idée de quoi t'apporter comme argument ou comme truc ou comme. J'en ai aucune idée. J'en sais rien. Bah pourquoi aller debunk Wissam alors? Autant le laisser tranquille vu que c'est pas ton domaine, non? Oh, reviens pas sur Wissam. Ah bah. En fait, c'est ça le truc. Les Serbes et toi, tante. Ah, quand Wissam parle. Quand Wissam parle, tu comprends tout de travers. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, en fait. En fait, c'est ça. Et quand il parlait avec Rouillant et qu'il dit à un terroriste qui est condamné pour meurtre, que toi, t'as parlé avec Daniel Conversano, il est pourtant fiché S, ça te pose moins de problèmes. Bah, on n'arrêtait pas. Faut tout remettre dans sa contextualisation. Ah.